Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit aussi glorifié. Et je crois que c'est aussi le dernier jour aujourd'hui pour moi parce que je repars donc la semaine prochaine. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier sincèrement et vraiment de tout mon cœur le pasteur Massa David qui m'a accordé cette grâce, ce privilège. Vraiment que le Seigneur le bénisse, je ne le vois pas ici, et qu'il bénisse vraiment aussi tous les frères qui sont ici. Je ne veux pas oublier mon précieux frère Isaac qui a toujours été avec moi et me conduisant à l'hôtel et ici. Je remercie aussi notre précieux frère Élie aussi pour aussi l'accueil qui m'a été aussi réservé à cet endroit et tous les frères qui sont ici. Je ne veux pas oublier le pasteur Moïse et tant d'autres. Et je remercie chacun d'eux et aussi je voudrais aussi remercier aussi mon jeune frère ici, le frère Koulibaly, qui tous les jours aussi a été là pour aussi me conduire à cet endroit aussi, être là pour m'aider, que le Seigneur le bénisse richement. Que Dieu bénisse mon frère Macaire aussi avec sa famille qui sont venus ici. En tout cas, je voudrais remercier tout un chacun de vous tous. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et aussi le pasteur Esso qui m'a aussi reçu aussi dans son église, dont j'ai eu la joie de pouvoir aussi avoir la communion avec eux. Je remercie vraiment notre pasteur aussi Timothée, dans son église aussi de Kumasi. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Si j'ai oublié l'un, mais que vous me pardonniez, mais je crois que je remercie chacun de vous. Je voudrais aussi vous demander si vous souhaiteriez aussi que j'apporte vos salutations à vos frères et sœurs qui sont à Bruxelles. Je suis heureux parce que le Seigneur m'a accordé la grâce et aussi, de pouvoir réaliser que nous avons des frères et sœurs que Dieu nous a accordé la joie d'avoir ici donc à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire et aussi et dans d'autres parties aussi. Que Seigneur notre Dieu soit glorifié. Nous n'allons pas rester longtemps parce que nous avons chanté, glorifié notre Dieu afin qu'il puisse nous donner la grâce de pouvoir continuer à pouvoir les servir. Nous allons prendre une portion de l'Écriture comme la Bible le dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce que nous désirons, c'est ce que le Seigneur lui-même puisse nous parler et qu'il nous accorde donc son secours. Nous allons lire dans le livre de Rois que nous avons lu, c'est dans 1 roi au chapitre 6, et nous lirons le verset, et puis nous implorons la grâce du Seigneur pour qu'il nous accorde la possibilité de pouvoir l'entendre. 1 roi, chapitre 6. Je commence donc au verset 2, où on nous dit « La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. » Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Et le roi fit donc à la maison de fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage donc inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées, le troisième de 7 coudées, car il ménagea donc des retraites à la maison tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Lorsqu'on bâtit donc la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée de chambre de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison, et on montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre, et il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison,
Et il lia donc à la maison par le bois de cèdre. L'Éternel adressa donc la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, et si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai donc au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. » Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci de nous avoir conduits à pouvoir lire ta parole encore aujourd'hui. Et je t'implore aussi la grâce, mon roi, que de pouvoir nous assister parce que nous voulons vraiment t'entendre nous parler. Nous avons besoin de pouvoir réellement t'entendre, toi, parce que c'est ta parole à toi, elle n'appartient qu'à toi, mon bien-aimé Seigneur. Et nous voulons que toi, l'auteur, tu la connais, Père Tout-Puissant, tu viennes, que tu puisses aussi nous accorder la grâce de pouvoir t'entendre nous parler pour que nos cœurs, à nous, ce que nous sommes, nous puissions être aussi changé, transformé. Donne-nous la grâce d'avoir l'attention particulière, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque âme, chaque esprit et chaque pensée, pour qu'également que nous puissions être soumis à ce que toi tu nous dis, Seigneur. Tu as dit dans ta parole à toi que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est pour ça que nous nous inclinons, bien-aimé Père Tout-Puissant, reconnaissant, effectivement, reconnaissant que nous sommes faillibles, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, sujet à beaucoup d'erreurs, mon roi. C'est pourquoi nous te demandons la grâce de pouvoir venir nous aider, afin que tu prennes le contrôle. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que cette écriture, nous l'avons lue depuis mercredi, et je crois que, par la grâce du Seigneur, on va essayer de pouvoir clôturer cela en ce jour. Et nous avons aussi réalisé que Salomon a fait un travail et qui était vraiment nécessaire. Et nous voulons comprendre effectivement dans quelles circonstances, en réalité, cette maison donc, du Seigneur, effectivement, donc ce temple, avait été donc et devait être réellement construite. Vous savez que depuis que le Seigneur avait fait sortir son peuple d'Israël, ils allaient donc marchant donc dans le désert, et ils avaient l'arche de l'Alliance qui était avec eux, et ça allait de temps en temps, de lieu en lieu, effectivement, jusqu'à ce qu'ils ont pu arriver à pouvoir réellement entrer dans le pays de la promesse où le Seigneur, notre Dieu lui-même, avait fait cette promesse à leur père Abraham, qui était un homme de foi, Abraham qui était un homme qui avait confiance en ces dieux qu'il avait réellement appelé et qu'il connaissait aussi la puissance et même aussi l'autorité. Cet homme était un homme qui était aussi particulier parce que la manière dont il s'est vraiment accroché à Dieu montrait qu'effectivement qu'il y avait aussi quelque chose de Dieu à l'intérieur de cette personne. En fait, quand on entend parler d'Abraham, on entend parler de lui à partir de Genèse, chapitre 11, 12, ainsi de suite. Parce qu'auparavant, on ne nous a pas dit qui était cet homme. Mais on sait qu'il descend donc de Ur, de Charan. On sait qu'effectivement, que c'était le côté effectivement, de contrée où on pensait, on ne priait pas Dieu, on ne servait pas Dieu, effectivement. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas lui qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Donc si Dieu était venu vers Abraham, ce n'était pas par hasard. C'était parce que ces dieux-là connaissaient la personne vers qui effectivement il allait, la personne à laquelle il s'adressait. Dieu ne se trompe jamais dans son choix, mon frère et ma soeur. Nous, c'est vrai, nous pouvons nous tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais dans son choix. Et quand nous regardons aussi sa manière de faire, et même quand nous observons les choses que Dieu fait, il a dit dans Jean au chapitre 10, en disant, « Mes brebis entendront ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils ne suivront jamais la voix d'un étranger. Ils reconnaîtront ma voix. » Et ce qui est particulier dans cette écriture, c'est qu'il dit une chose, Jean 10, vous pouvez lire chez vous à la maison, il dit une chose, il dit, « Mes brebis à moi, je les appelle toutes par leur nom. » Non, parce qu'il connaît ceux qu'il a choisis, donc il les appelle par leur nom. Si vous remarquez très bien, il est bien parlé de la bergerie.
Donc, quand on regarde en Orient comment ça se passait la bergerie, eh bien, c'était comme un enclos, un endroit comme celui-ci, où les bergers qui n'avaient pas effectivement d'endroit assez grand pour garder leurs brebis, venaient effectivement chacun mettre ses brebis effectivement dans la bergerie où il y avait assez de place. Mais chacun avait sa place et puis l'autre aussi. Alors maintenant, c'est chaque berger qui vient dans la bergerie, il appelle, en fait, il doit reconnaître ses brebis et ses brebis, effectivement, il les prend, il doit sortir avec ses brebis. Or, dans la bergerie, effectivement, les brebis sont mélangées. C'est pour ça que vous avez entendu, effectivement, c'est que même parmi les vaches, effectivement, on met les marques pour reconnaître, même s'ils se rassemblent, on reconnaît même pas. On le reconnaît par la marque, en fait. Alors, les bergers, comme le Seigneur a dit, il vient donc dans une bergerie. Et dans la bergerie, effectivement, il se trouve des brebis, effectivement. Alors, la particularité, c'est qu'il dit, lui, il dit qu'il appelle ses brebis. Donc, il y a beaucoup de brebis, mais lui, maintenant, il n'est pas venu pour toutes ces brebis-là. Il est simplement venu pour ses propres brebis. Alors, c'est pour ça qu'il dit que lorsqu'il entre, effectivement, il crie et il appelle maintenant ses propres brebis. Il dit, le brebis, mes brebis entendent ma voix. Et quand ils entendent ma voix, je les appelle par leur nom. Et qu'est-ce qu'il fait, effectivement? Il dit, mais mes brebis à moi, en entendant ma voix, ils s'élèvent et ils sortent et ils me suivent. Donc, comment ils font, effectivement? Et quand le brebis, parce qu'une brebis a toujours besoin d'un berger. Et ça, vous le savez, parce qu'une brebis ne peut pas se débrouiller toute seule. Ça, vous savez. Donc, il lui faut un berger. Et la brebis doit connaître son berger. Alors, regardez une chose, mon frère et ma soeur. Il dit que j'appelle mes brebis, ils reconnaissent ma voix et ne suivront jamais la voix d'un étranger. Or, c'est dans une bergerie. Il y a beaucoup de brebis mélangées. Alors maintenant, quand lui vient, lorsqu'il appelle, la brebis entend la voix et il reconnaît que cette voix ici, c'est la voix de mon berger. Donc, les brebis qui lui appartiennent vont s'élever. Lorsque lui va commencer à appeler, les brebis vont s'élever. Les autres ne vont pas s'élever. Non, 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 non. Parce qu'ils ne reconnaissent pas lui comme leur berger. Ils ont leur propre berger. Alléluia. C'est absolument important, mon frère, que nous comprenions aussi, frères et sœurs, que aujourd'hui aussi, le Seigneur ne vient pas chercher les brebis des pasteurs. Non. Chaque pasteur qui a ses brebis, qui garde ses brebis. Mais le Seigneur vient chercher ses propres brebis. C'est pour ça qu'il dit qu'il les appelle par leur nom. Ah oui, comment est-ce qu'une brebis peut reconnaître effectivement la voix du berger comme effectivement la voix du Seigneur? C'est ça qu'on peut se poser la question, effectivement, aussi, parce que dans la bergerie, il y en a beaucoup, mais celle qui reconnaît la voix du berger, eh bien, elle doit sortir. Comment cela se fait-il? Eh bien, j'ai une expérience, effectivement, quand j'étais parti, je pense que je l'ai vu là-bas, mais il y a aussi un autre frère qui a fait expérience, effectivement. C'était quoi? Je crois que c'était en Espagne. Et il a trouvé, en fait, un berger, et il avait des brebis, là, qui étaient autour, qui étaient en train de pouvoir paître dans la bergerie, enfin, dans la prairie. Et puis, il dit, berger, est-ce que tu peux me permettre, moi, de pouvoir appeler que tes brebis viennent ici autour de moi? Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème, fais-le. Et il a commencé à crier, les brebis ne bougeaient pas. Il a crié, il a fait, les brebis ne bougeaient pas. Et puis, il dit au berger, maintenant, toi, appelle. Le berger a simplement lancé un cri. Toutes les brebis sont venues autour de lui. Alors, il dit, mais comment cela se fait-il? Mais en fait, mon frère et ma soeur, ce n'est pas compliqué. Parce qu'il s'est passé une chose que ces brebis-là, depuis qu'ils étaient tout petits, la voix du bon berger, leur berger, était enregistrée en eux. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, cette voix était là-dedans. Mais maintenant, quand le berger parle, les brebis reconnaissent la voix, que cette voix-là, c'est la voix du berger. Alors, mon frère et ma soeur, pour que toi, tu reconnaisses que ceci est la voix du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs voix.
Et il a dit, mes brebis entendront ma voix, ils ne vont pas suivre la voix de l'étranger. Oui, monsieur, ils vont reconnaître ma voix. Et comment toi, tu vas reconnaître la voix du berger? Parce qu'il faut d'abord qu'il soit ton berger. Si tu en as plusieurs, mon frère et ma soeur, il ne peut pas être à toi. Il faut que toi, tu aies un seul berger. Il a dit, il y aura, ce sera un seul troupeau, mon frère. Donc, c'est qui appartient à un berger. Il a dit, comme David l'a dit, l'Éternel est mon berger. David savait qu'il n'avait qu'un seul berger. Et ce seul berger-là, il le connaissait bien. Parce que nous n'avons pas le temps, mon frère. Parce que lorsqu'il était de l'autre côté, là-bas, en train de paître le troupeau de son père, il avait l'expérience avec ces bergers-là, celui qui était loin, son berger, son protecteur. Donc il les connaissait mieux. Il savait qui il était pour lui. C'était son protecteur. Il s'y accrochait. Il avait une expérience particulière avec lui. Toi, avec qui as-tu une expérience, mon frère? Parce que tu dois te savoir qui. Parce que tu dois t'identifier à celui qui a une expérience. Avec qui tu as une expérience particulière? Il y a une chose que je voudrais, avant d'entrer, si parce qu'on n'a pas le temps, avant d'entrer dans le sujet, regardez très bien. Nous disons toujours, et quand nous disons, Dieu a fait tellement haut, le Seigneur a utilisé les prophètes d'une manière puissante. Quand il est parti là-bas, il a prêché, et c'était comme cela, les prophètes ont prié, ça s'est passé, et ceci et cela. Donc on rend témoignage de ce que Dieu a fait avec le prophète William Branham, le prédicateur, tout, on fait cela. Mais la question est celle-ci. Dieu a fait ça avec William Branham. Mais alors toi, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Non, je voudrais savoir, mon frère, ce que Dieu a fait avec toi. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Vous savez, Dieu, je crois que c'est un des frères qui a fait une en référence, peut-être le frère Timothée, je pense, en parlant, c'était avec Romains au chapitre 10. Il dit, parce que c'est là où l'Écriture dit, il n'y a en effet aucune différence. Romains 10, hein, vous connaissez, verset 11 et 12. Il n'y a en effet aucune différence entre les Grecs et les Juifs, effectivement, parce que. Pour quelle raison? Vous voulez qu'on lise peut-être rapidement? On va te le lire avec vous. Romains chapitre 10. Romains 10, effectivement, cela. Romains 10, je pense que verset. Il y a verset. Alors, au verset 11, il dit. Quiconque. Il dit verset 12, pardon. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qu'ils invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut qu'on aille prêcher pour que tout le monde puisse arriver à pouvoir entendre. C'est comme on dit, mais s'il n'y a personne qui prêche, comment est-ce qu'ils pourront entendre parler? Il faut qu'ils entendent parler de quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Je ne vais pas vous retenir, vous savez, n'ayez pas peur. Regardez. Il te bénisse, mon frère. Regardez, frères et sœurs. Parce que vous devez lire la Bible. Dans 1 Chronique, chapitre 3, nous revenons dans Romains 10 pour que vous puissiez comprendre. Et puis, dans les chapitres de Rois 6. Dans 1 Chronique chapitre 13, il s'est passé une chose, c'est que le roi David était tellement heureux et le peuple aussi. Il voulait donc ramener l'arche de l'Éternel où c'est en Israël parce que les Philistins l'avaient pris. Et voilà que ce qu'il a fait, effectivement, il s'est levé avec beaucoup de joie. Il a pris un char tout neuf. Et c'est là qu'il a pris, effectivement, l'arche de l'Alliance, effectivement, il l'a placé sur le char. Le peuple d'Israël était tellement heureux, il chantait parce qu'on ramenait l'arche en Israël. Et c'était tiré par deux bœufs. Et voilà que pendant qu'on tirait par les bœufs, tout le monde a la joie, David aussi dans la joie, Dieu ne disait rien et il observait.
Et tout le monde pensait que Dieu était content. Vous le lirez chez vous, 1 Chronique chapitre 13. Tout le monde pensait que, oh, alléluia, l'arche, on la ramène, effectivement, tirée par le char et par le bœuf qui tirait, effectivement, oh là là, tout le monde était dans la joie. Mais voilà qu'en cheminant, puisque l'arche était là et le bœuf attaché à l'arche pour tirer, voilà qu'en cheminant, effectivement, paf, il y a l'arche, le char, effectivement, qui a bougé, et puis l'arche qui était sur le char, que les bœufs tiraient, basculer pour tomber. Comme ça basculait pour tomber, il y a un homme qui était juste à côté là, son nom était Uza. Et avec la bonne volonté, les désirs de son cœur, effectivement, il voulait aider les choses de Dieu, il a mis sa main pour que l'arche ne puisse pas tomber, mais qu'il soit à sa place. Alors ce qui s'est passé, c'est que il avait fait une bonne chose avec de tout son cœur, une bonne intention d'aider que l'arche de l'Éternel ne puisse pas se casser. Ce qu'ils ont vécu, c'est que sur le champ, Uza a été tué, frappé par Dieu. Mais on peut se poser la question, mais cet homme avait une bonne volonté, cet homme faisait quelque chose de tellement si bien. Éviter que l'arche ne tombe. Quand même, c'est une bonne action à l'endroit de Dieu. Mais non, Dieu l'a tué sur le champ. À ce moment-là, David devient conscient. Il dit, s'il a été tué, c'est qu'il y a un problème. Ah ah! C'est qu'il y a un problème, parce que Dieu ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas de problème. Quel est le problème? Alléluia! Oh oui, il dit, quel est le problème? Quand il a cherché, il a dit, oh! Nous n'avons pas cherché l'Éternel selon sa parole. Alléluia! On a fait des choses selon nos pensées, ce que nous voulons, pensant que c'est bien, mais ce n'était pas selon les saintes Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, on a oublié. Uza était un bon monsieur, un bon bonhomme qui voulait faire cela, effectivement. Pourquoi était-il tué? Mais c'est normal, monsieur, qu'il ait été tué. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance, personne ne pouvait les toucher si ce n'était que des Lévites, monsieur. Lévite, il est né pour cela. Et deuxièmement, l'arche ne pouvait pas être sur les chars, bien que c'était joli et beau. Non, c'était écrit sur les épaules. Oui, monsieur, sur les épaules des Lévites. Alléluia! Donc, il y avait bien des hommes que Dieu avait choisis. Tout le monde ne peut pas faire cela, monsieur. Que le Seigneur nous accorde la grâce, mon frère et ma soeur. Parce que ne pensez pas que Dieu est tout content dans tout ce que vous faites. Non, monsieur. Si la chose que l'on fait n'est pas conforme aux saintes Écritures, on peut beau chanter, on peut beau tout faire, mais Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça que dans le livre de Romains au chapitre 10, nous sommes arrêtés là, il est très bien, il dit, mais oh! Eh oui, comment pourront-ils croire en celui dont on n'a pas entendu parler? Alors tout le monde aujourd'hui, il se lève. C'est pour ça que aujourd'hui aussi, vous savez, je ne sais pas, mais je ne vais pas rester trop longtemps en principe, mais c'est important que vous aussi entendiez. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est quand même assez étonnant de pouvoir voir que nous qui avons eu la grâce de Dieu de pouvoir avoir cette parole du temps du soir, comme la Bible dit, et vers le soir la lumière paraîtra. Nous devions vraiment chacun, que ce soit des frères, surtout d'abord des frères, parce que quand il arrive des problèmes dans les assemblées, c'est souvent pas des sœurs, c'est souvent des frères. Eh bien oui, parce que les sœurs ne prêchent pas. Comment veux-tu qu'une sœur qui ne prêche pas crée la division quelque part? Ce n'a jamais été une sœur, mais c'est toujours l'homme qui aime bien le micro. C'est ça. On aime trop ces micros ici, on aime trop... C'est ça le grand problème qui crée des problèmes aujourd'hui. Je me suis posé la question de pouvoir savoir si vraiment les gens, ou des frères, parce que c'est mis à la portée de tous, et des sœurs, tous ont pu arriver à pouvoir comprendre. Il y a un message, une prédication du prophète, dont le titre est
rendre un service à Dieu en dehors de ça. Vous avez compris ça? C'est pas moi, hein? C'est le prophète qui l'a prêché. Le titre est « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Ça, c'est une prédication qu'on aimerait quand même entendre aussi, parce que c'est le message. Et dans ce message-là, c'est à ce moment-là que nous apprenons par le prophète messager qu'aucun homme, c'est là-dedans, vous devez lire chez vous, parce que la brochure, les bandes, c'est pour que vous écoutiez. Parce que le prophète a prêché, nous devons écouter ce que le prophète a prêché. Est-ce que vous suivez? Vous êtes d'accord? Amen. Non, frère, vous êtes d'accord? Amen. Les brochures et les bandes, c'est pour que nous écoutions, non? Amen. Donc, nous devons avoir des métaphores, des brochures, pour lire chez nous, à la maison, écouter ce que le prophète a dit. Et quand on vient ici, maintenant nous voulons entendre la parole d'aujourd'hui. Est-ce que, mais c'est vrai, non? Frères et sœurs, moi-même, je vais écouter le prophète. Donc, je prends ma brochure à la maison, je lis. Je lis, oh gloire à Dieu, le prophète nous a parlé. Maintenant, quand je viens ici, je veux que le pasteur, c'est tenant ici, qu'il ait l'onction, qu'il m'apporte ce que Dieu lui a donné. Alléluia! Bien sûr, mon frère, quand même, soyons quand même clairs, frère. Je veux que les pasteurs ne soient pas ici pour me répéter ce que j'ai lu à la maison. Non! À la maison, je peux lire seul. Je peux lire seul, je peux écouter seul, je glorifie Dieu seul. Et quand je viens ici, prêche, je dis, oh, gloire à Dieu, il a prêché comme le prophète a prêché. Alléluia! Mais il a prêché sous l'onction, ici. C'est ce que nous désirons, frère. Alléluia! Oh, je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mon frère. Mais ceci est la stricte vérité, monsieur. Nous devons nous tenir aux choses de Dieu comme Dieu nous les donne. De la manière dont Dieu veut que cela nous soit donné. Oui, frère. Nous devons revenir au principe, au respect des choses que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir réaliser effectivement cela. Oh oui, alors, ici dans Romains au chapitre 10, évidemment, il nous dit une chose, il dit, oh, ah, verset 14, dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, nous réalisons qu'effectivement que les dénominations ne peuvent pas comprendre. Mais nous qui avons reçu la lumière au temps du soir, nous comprenons. Et surtout nous qui avons eu la grâce de comprendre le pourquoi d'un envoi d'un prophète messager, on doit avoir du respect à l'endroit de Dieu. Et surtout que quand Dieu nous a parlé, qu'est-ce que ce prophète a dit? Dans rendre un service à Dieu, frère, écoutez-le, vous pouvez l'écouter à la maison, en dehors de sa volonté. Or, il dit effectivement, pour qu'un homme passe au niveau de la chair, effectivement, pour prêcher, il dit que je prêche la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ait absolument une expérience comme Moïse l'a eu. C'est dans la brochure, monsieur. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère, mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont les mêmes personnes qui lisent les brochures, qui demain, effectivement, il était en bon terme avec les personnes de l'Assemblée, qu'il sort, je ne suis pas d'accord, il va dans un coin, il cherche un endroit, il fait sa tablette, effectivement, il dit, je suis un prédicateur et Dieu m'a envoyé. C'est ça ce que nous vivons, effectivement. Je sais que ça, ça ne plaît pas aux oreilles de pouvoir entendre. Je vous l'ai dit, frère. Moi, je ne suis pas venu pour que vous puissiez m'apprécier. Non. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de m'apprécier. Je ne vous demande pas de pouvoir... Je n'en ai pas besoin. Je viens, je sers mon Dieu. Vous me détestez, il n'y a pas de problème. Vous jeterez des pierres, il n'y a pas de problème. Je ne serai pas le premier. Mon Seigneur, on l'a fait. Par qui? Pas par les Romains, mais par les croyants. Donc... C'est important, mon frère et ma soeur, pour que ce jour-là, vous ne direz pas, Seigneur, nous ne l'avons pas entendu. Le prophète l'a prêché.
Même si vous ne voulez pas m'écouter moi, mais quand même, vous respectez tous le prophète. Mais on devait dire amen. Il a dit bien que si quelqu'un n'a pas eu l'expérience que Moïse a eue, ah oui, dans les bouchons ardents, il ne peut pas se tenir du haut de la chair et prêcher. Alors, quelle est votre expérience, monsieur? Quelle est votre expérience? Parce que, sœur, vous êtes aussi concerné. Quand vous suivez quelqu'un qui n'a pas été appelé de Dieu, vous subirez les mêmes conséquences. Non. Il faut qu'on puisse être sérieux. Il s'agit de votre âme. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Non. Le Seigneur a dit, mes brebis entendront ma voix. Ils vont la reconnaître. Ce que je cherche, c'est de pouvoir entendre cette voix. Il était enregistré là. Alors, il dit, mais nous continuons rapidement ici. Il dit, alors écoutez bien, il dit, oh. Il dit, mais oh, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, le verset suivant, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, mon frère et ma soeur, si tu es un envoyé, il faut quand même que tu connaisses celui qui t'envoie. On ne peut pas être un envoyé de quelqu'un dont on ne connaît pas. Ah non, à ce moment-là, on n'est pas un envoyé. Parce que je suis envoyé, si je suis ici comme ambassadeur de la Belgique d'où je viens. Enfin, je dis, mais ici, je viens en tant qu'ambassadeur, donc je suis envoyé par mon gouvernement qui est là-bas. Eh bien, je dois avoir des lettres d'accréditation sur lesquelles on a les cachets de mon pays. Et mon nom est là, j'ai dit, oh, monsieur le président, voici les lettres d'accréditation de mon pays, certifiant que moi ici, je suis l'autorité de mon pays ici. Alléluia! Oui, monsieur, oui, madame, mon frère et ma soeur. Lorsque Moïse a été pris par le Seigneur, qu'il est parti effectivement pour se reposer, vous savez effectivement ce qui s'est passé, Dieu se tourne et regarde Josué et dit, mais Josué, lève-toi, mon serviteur. Il dit, voilà, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il lui parle, il me dit, mais c'est toi maintenant qui vas prendre ce peuple, effectivement, pour le faire entrer, effectivement, dans le pays de la promesse. Vous connaissez l'écriture, Josué chapitre 1, vous lirez à la maison. Alors voilà, maintenant, Josué a entendu ça, effectivement, et Josué va s'adresser maintenant au peuple. Eh bien, il a parlé, effectivement, et puis le peuple dit à Josué, Josué, c'est très bien ce que tu viens de dire. Il dit, nous ici, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Nous accepterons de marcher avec toi comme cela. Mais il y a une condition. Pour que nous soyons comme cela, avec toi, il y a une condition. Et c'était laquelle? Il dit seulement, veille seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Alléluia! Oui, monsieur. Oui, madame. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. Vous remarquerez, frères et sœurs, que ce peuple n'a pas embrassé directement comme ça. Non, ils ont observé la voie. Nous voulons parce que quand Moïse était avec lui, on voyait que Moïse agissait, parlait effectivement, Dieu faisait. Donc on a vu comment Dieu... Alors si toi, tu nous dis aussi qu'effectivement, que c'est toi qui dois nous conduire, alors il faut que ces dieux-là soit aussi avec toi. Oui, monsieur. Oui, madame. Le frère Branham, quand il a prêché, effectivement, la parole, il disait toujours une chose qui était dit. Moi-même, je ne savais pas, mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une révélation sur ce que je viens de vous prêcher. Et l'ange de l'Éternel m'est apparu, effectivement, ainsi. Je crois que vous connaissez cela puisque nous lisons. Donc, le prophète William Branham, quand il a prêché effectivement ce message, nous réalisons qu'il a prêché cela par la révélation. Vous êtes d'accord? Bien sûr que oui. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était par la révélation. Oui, bien sûr. C'était par la révélation. Donc, la plupart de ce qu'il a eu à pouvoir réellement s'y prêcher, comme vous vous souvenez que quand il s'agissait de sceaux
Et je ne voudrais peut-être pas vous choquer, mais il faut quand même que quand nous parlons des choses de Dieu en rapport avec le prophète, que nous plaçons les choses à leur juste place. Parce que souvent nous disons que le prophète William Branham a ouvert les sous. Restez tranquille et calme. C'est ce que nous disons en réalité. Mais cette déclaration, elle est fausse. Parce qu'il ne trouve pas sa place dans les Saintes Écritures. Pour quelle raison? C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au fondement. Pour quelle raison? Prenons dans Apocalypse chapitre 5. Lisons ensemble. Apocalypse 5. N'ayez pas peur, frère. C'est la Bible. Prenons les Saintes Écritures, frère. C'est la Bible. C'est la Bible. Qu'il te bénisse, mon précieux frère. Chapitre 5, verset 1, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. » Ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. On a crié. On cherchait quelqu'un qui était digne d'ouvrir les livres de sept sceaux. D'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Frère, on a cherché partout, ma soeur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce qu'il pouvait se cacher sous la terre, on l'a cherché partout. Pour trouver cette personne qui était digne d'ouvrir les livres. Scellé de sept sceaux. C'est la Bible, frère et sœur. Alors, de continuer, il dit, « Oh, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. » Alors, au verset 5, « Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici qui, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Alléluia, il a vaincu. » Pour ouvrir les livres, et c'est sept sceaux. Alléluia! Il s'agit du Seigneur Jésus qui aujourd'hui vous a fait rejeter, frère. Le Seigneur Jésus, dans nos réunions, il est rabaissé. Oh, c'est ce sauveur-là qui a ouvert les livres dont vous criez aujourd'hui. Les sceaux étaient ouverts. C'est lui qui a ouvert les livres. Mon frère et ma soeur, notre Seigneur doit revenir à sa place, dans son église, être adoré dans son église, être puissamment aimé par son peuple. Alléluia! Oh, que le Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a les droits, mon frère. C'est lui qui a souffert pour toi. Oui, monsieur, il n'y a aucun homme. On a cherché partout. Que Dieu te bénisse, mon frère. Aujourd'hui, quand on parle de lui, on est intimidé. Mais quand on parle des prophètes, alléluia, gloire à Dieu. Et où sont allés? Les chaises peuvent même sauter à gauche et à droite. Frère, William Marion Brown ne t'a pas sauvé. Non, monsieur, non, madame. C'est un frère, mais aussi un serviteur de Christ qui avait besoin du salut. Alléluia. Oui, monsieur. Mon frère et ma soeur, nous devons revenir au fondement, c'est-à-dire aux Saintes Écritures. Nous devons revenir à la Bible. Oui, monsieur, si ceci a été l'absolu du prophète, alors ça doit être aussi mon absolu. Oui, s'il vous plaît, frère et soeur. Alléluia, alléluia. Mon frère et ma soeur, on ne peut pas avoir deux absolus. Jamais, 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 jamais. Il n'y a toujours qu'un seul absolu. Parce que l'absolu, c'est le point final. Voici l'absolu, mon frère. Nous devons, vous savez, frères et sœurs. Vous savez, frères.
Tout ce problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris ça, on l'a mis là. Quand vous vous détachez de ceci, vous perdez la boussole. Ah, c'est sûr. Vous pouvez tout me dire, mais faire toutes les citations possibles, ça ne peut pas être comparé à ça. D'abord, je voudrais quand même que... Je termine d'abord par là. Pour que, parce qu'on a dit, oh, ce frère nous a dit, le prophète... Non, mon frère, je le répète encore, le prophète William Branham n'a pas ouvert les seaux. Parce que je vais encore vous montrer l'Écriture, chapitre 6 d'Apocalypse. Regardez bien. Si vous avez vos Bibles, nous lisons au verset 1. Il dit, « Je regardais quand qui ?» Quand l'agneau ouvrit un de ses seaux. Donc l'agneau, ce n'est pas William Branham. Ah non, mon frère, si vous arrivez à cela, je pleurerai encore comme j'en pleure jusqu'à aujourd'hui. Frère, William Branham ne peut pas être adoré. L'erreur que vous commettez, c'est celui-ci, frère. Parce que quand on voit les gens aussi adorer les prophètes, les précieux frères, mais tout ça, c'est à cause de prédicateurs. Bien sûr. Du matin au soir, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Vous sortez avec quoi? Le prophète a dit. Mais on n'a pas entendu qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que ce qui m'importe, moi, alléluia, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Alléluia. C'est ça qui sauve mon âme, frère. Je vais entendre ce que c'est Jésus-là, qui a souffert pour moi, a dit au sujet de mon âme. Oh, frères et sœurs, je vous l'ai dit, je ne suis pas venu pour que vous m'appréciez, vous savez. Je sais qu'après ici, ça sera problématique. Hein? Oui, oui. Je vais vous ramener un petit témoignage. Avec tout le temps, le prophète a dit. C'est là qu'on envoie des gens dans une mauvaise direction. Je te bénisse aussi, mon frère. Il y a une sœur que nous avons là-bas, à Bruxelles. Cette sœur était en France, évidemment, bon, dans les églises aussi, là-bas. Oh, cette sœur, c'est elle qui a rendu témoignage. Assis dans les églises où elle était, c'était... le prophète a dit, Dieu a fait ceci avec les prophètes, ainsi, ainsi. Alors elle dit, moi ici, parce que Dieu lui a accordé la grâce quand elle a écouté la parole de Dieu pour que toutes ces choses-là puissent aller. Il dit, moi ici, quand je dormais, je ne rêvais que du prophète. Quand je priais, mon cœur était toujours aussi vers le Seigneur, mais c'est surtout le prophète. Alors je disais, il disait, quand je mourrais, je ne pensais même pas au Seigneur Jésus. Quand je mourrais, j'ai dit, celui que je voudrais voir de l'autre côté, ce sera le prophète. Oui, 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 oui. Son désir était le prophète, toujours. C'est normal. Frère, c'est quand même normal. Vous n'avez pas remarqué que Satan, il est tellement très rusé. Parce qu'on va vous dire, mais frère, vous ne croyez pas au message parce que vous n'avez pas cité les prophètes, pas vraiment pas parlé de telles brochures. C'est ça. Et puis quand on vous dit ça, vous tremblez. Et puis, je vais peut-être encore un peu vous choquer un tout petit peu. Vous savez, frères et sœurs, c'est important que vous l'entendiez. Vous savez, frères et sœurs, le message ne peut pas vous sauver. Le message ne sauve personne. Ah, ça c'est vrai. Mes frères, tu nous fais... Mais oui, je le répète encore, le message ne sauve personne. Et Dieu te bénisse. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. On ne peut pas avoir deux sauveurs, mon frère. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et le seul qui te sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, monsieur, oui, madame.
C'est parce qu'on a mal compris les choses. On a mis l'accent là, il ne fallait pas mettre l'accent. Alors tout le monde a peur. Ah, je ne crois pas le message. Et oh, frères et sœurs, Dieu n'est pas un terroriste qui apporte la terreur. Oh. Dieu, c'est un Dieu de paix qui nous montre la direction. Maintenant, il dit, mais alors, frère, mais alors, qu'est-ce que c'est que le message? Je vais juste vous donner un exemple tout à fait naturel. Alors, je voudrais trouver quand même quelque chose. Eh bien, je peux donner cela. Vous connaissez ce qu'on appelle un paquet de comprimés, une boîte de comprimés, médicaments. Est-ce que quelqu'un aurait-il m'aider avec une boîte complète de médicaments, hein, comme par exemple d'Afalgan, j'en sais rien, ou quelque chose. Si quelqu'un l'aurait ici, mais complet avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je voudrais vous montrer quelque chose. Pour que vous puissiez bien comprendre, afin de ne pas mal saisir pour dire aïe, 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 aïe. Ah, viens mon frère, tu peux m'aider, frère, juste que je vois là dedans. Juste ça, mon précieux frère. Oui, merci beaucoup. Que le Seigneur le bénisse richement. Merci. Alors, j'ai ici, oh, merci frère, tout est dedans. J'ai ici ce que vous voyez, c'est une boîte des co-analgésiques. Vous voyez, c'est, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est un paracétamol. Paracétamol, c'est-à-dire que quand vous avez des douleurs de maux de tête, vous prenez, oh, j'ai oublié, mon frère peut m'aider à... Pardon, mon frère, parce que j'ai oublié ça. Merci. OK. Oui. Alors, quand vous avez des maux de tête, vous devez prendre... Donc, c'était passé par cet émoi. Maintenant, regardez. Dans ce papier ici, il y a ceci. Ceci, c'est la notice. Que Dieu te bénisse. Ceci est la notice. Dans ces notices, cette notice ici, il te décrit, il t'explique que tu as de maux de tête. Voilà pour que ces maux de tête puissent arriver à pouvoir vraiment disparaître. Voilà comment tu dois faire. Il faut que tu prennes un comprimé de paracétamol, un comprimé le matin, un comprimé ceci et cela. Alors toi, tu reçois la notice, il dit, oh, et c'est beau. Ah, et la notice dit, oh, il faut prendre le comprimé. Oh là 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 là. Elle lui dit, mais c'est comprimé. Il est vraiment bon ce comprimé. C'est comprimé, ah, c'est un bon, c'est vraiment le comprimé qu'il faut parce qu'il décrit le bien que ça fait, ceci et cela. Ah, vraiment, tu dis, frère, viens voir vraiment ça. Il décrit que tu prends ça, ceci, c'est cela, et puis les molécules, les ceci et cela. Donc pendant ce temps-là, tu as des maux de tête. Tu as tout décrit, tu mets dans la poche et tu es parti. Alléluia! Alléluia! Vous savez ce qui va se passer? Tu vas toujours continuer à dire, ah, attends, oh là 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 là, par cette algésique, ah, co-algésique, c'est puissant. C'est tellement bon. Mais mon frère et ma soeur, ceci n'est qu'un message pour te dire ce que tu dois faire avec ça. Alléluia! Ne t'arrête pas à ça. Va là où là, ça t'envoie. Alléluia! Il faut avaler ça. Alléluia! Gloire au Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous délivre, mon frère, ma soeur. Le prophète est venu pour nous ramener à ça. Parce que ceci, il l'a dit lui-même. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. Vous rejetez ça, vous rejetez ce que le message vous dit. Ah oui, mon frère, vous allez voir, ah c'est beau, ah c'est merveilleux, ah mais... Qu'est-ce qui est merveilleux? La description. Mais il faut qu'on applique effectivement ce que la description nous dit. C'est sûr. C'est comme, oui, le prophète a prêché le baptême. Au nom de Jésus-Christ, c'est les beaux baptêmes, c'est les merveilleux baptêmes. Mais tu as un baptême trinitaire. Ah, la brochure, mais oui, il a bien parlé, c'est vrai. Ok, c'est beau de comprendre que le baptême, c'est vraiment, oh, mon frère, viens, tu lui parles. C'est ça, en fait. Mais en fait, cette brochure te dit ce que tu dois faire. Parce que ce qui te dit, c'est ce qui est écrit
dans la Bible. Parce que si il te dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, oh frère, tu peux oublier. Ah oui, frère. Mon frère et ma soeur, s'il vous plaît, regardez. Ce qu'on fait de frère Branham, c'est qu'on l'amène au-dessus de ceci. Quand vous faites ça de lui, vous faites de lui un faux prophète. Vous savez, j'ai rencontré... Bon, je vais peut-être m'arrêter parce qu'on m'a donné une heure. Je vais m'arrêter. Vous savez, j'ai rencontré un frère. Et ce frère-là, il disait, si la Bible dit que ça, c'est blanc, et que le prophète dit que ça, c'est noir, je prends ce que le prophète a dit. Oui, frère, c'est comme cela. Mon frère et ma soeur, vous ne pouvez jamais mettre les prophètes au-dessus de la parole de Dieu. Jamais. Et puis, aucune citation qui sortirait d'une brochure quelconque, dont on ne sait pas le confirmer ici, vous pouvez l'oublier. Oui, monsieur, oui, madame, vous pouvez l'oublier. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même a dit, tout ce que je prêche, tout ce que je dis, il faut toujours ramener cela à la Bible. Il dit, je suis un homme, je peux me tromper. Mais aujourd'hui, on fait de William Branham un homme infaillible. Frère, vous ne voyez pas que c'est exactement Rome papale, parce que le pape, il est considéré par les catholiques comme étant un infaillible. Mais ne faites pas de mon frère Branham un antichrist quand même. Non, frère Branham était un homme, il pouvait aussi faire des erreurs qu'il a aussi corrigées. Oui, monsieur. Vous l'avez amené à un niveau de Dieu, et ça, c'est vraiment un blasphème. Frère Branham n'a pas ouvert le sceau, mais frère Branham a reçu la révélation du sceau. C'est une grande différence que d'ouvrir, que de recevoir la révélation. Parce que c'est lui qui révèle, c'est toujours l'auteur. C'est le Seigneur. Parce que si Dieu ne lui a pas révélé, il ne pouvait pas prêcher. Donc, qui est-ce que nous allons glorifier? L'homme qui a la révélation ou Dieu qui révèle? C'est Dieu qui révèle. C'est pour ça, notre foi, notre cœur, notre amour doit revenir à ça. À aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose. Mon frère et ma soeur, parce que il est très important que vous sachiez que si vous montez, vous n'allez pas rencontrer William Branham, vous allez rencontrer Christ. Mais si sur la terre vous n'avez qu'aimé que William Branham, vous irez où? Vous irez où? Frère, je ne suis pas en train de pouvoir diminuer les prophètes. Je le respecte, je crois ce message, je crois, j'aime l'homme de Dieu. Mais l'homme reste à sa place d'homme, Dieu à sa place. Oui, monsieur. Moi, je voudrais qu'on me parle de mon Jésus, qui à lui avait pensé que dans ces temps-ci, il devait y avoir un prophète. Parce que William Branham ne veut pas savoir qu'il devait y avoir un prophète. Non, c'est Jésus qui a voulu de pouvoir nous donner un canal par lequel on doit entendre la parole. Donc nous devons glorifier, c'est Jésus-là, mon frère et ma soeur. Revenir sur le fondement exact que le Seigneur, notre Dieu, a voulu. Frères et sœurs,
Il est une chose, par là je vais terminer, qui est très importante. J'ai lu dans 1 Roi chapitre 6, mais il y a un verset que je voudrais juste lire, et puis je vais m'asseoir. Et regardez, 1 Roi, parce qu'on pourrait dire, mais il a lu 1 Roi, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il a lu 1 Roi au chapitre 6, et il n'y a pas touché, il est toujours, voilà. Je voudrais qu'on regarde une chose avec vous. 1 Roi chapitre 6, le verset 7. Le verset 7. Regardez ce qu'il dit. Lorsqu'on bâtit la maison, cette maison était pour qui? C'était pour Dieu, n'est-ce pas? Ah oui, c'était le temple, frère. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est quand même un phénomène particulier, quand même. Quand vous construisez ici, vous avez des maçons qui viennent encore pour tailler, pour que la pierre puisse s'emboîter facilement, la brique, on doit arriver à pouvoir. Mais ici, on nous dit que toute pierre qui était amenée là était déjà toute taillée. On les a amenées simplement que quand on l'a posée, que Dieu te bénisse, mon frère, les pierres s'emboîtaient. On n'avait pas besoin de bisturi pour ceci. Non. Chaque pierre avait réellement la forme qu'il fallait. Alléluia. L'homme, il n'y avait pas ajouté par l'homme ou à retrancher. Non, monsieur. Chaque pierre qui servait pour la maison du Seigneur avait la forme requise. Alléluia. Mon frère et ma soeur, qui a donné la forme qu'il fallait? Vous vous souvenez, je m'arrête. Vous vous souvenez, frère? Quand le Seigneur appela Moïse, il dit, monte sur la montagne. Va sur la montagne. Il dit, là, sous la montagne, il lui a dit, que viens et vois. Il lui a montré. Et tabernacle, ainsi de suite. Il lui dit, quand tu descendras, fais exactement les choses là, selon le modèle que tu as vu ici. Donc, Moïse ne pouvait pas venir faire selon ce que lui pouvait imaginer. Non, monsieur. Il devait le faire selon le modèle qu'il avait là-bas. Et pour que maintenant, juste un exemple, parce que vous savez qu'il y avait les chandeliers, ceci et cela, il dit que Dieu a veillé que chaque chose qui devait être dans sa maison soit exactement selon la forme juste que lui, il voulait qu'elle soit. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, il dit, mais j'ai mis mon esprit sur Oholiba. Cet homme va travailler chaque matériel. Ce qui veut dire que si c'était toi et moi pour faire les chandeliers, ici on taperait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour bien raboter. Alors si je tape 7 effectivement, ça veut dire que pour Dieu, j'ai dépassé le nombre de frappes ici par exemple, qui fait qu'au lieu que le chandelier soit comme Dieu le voulait, il y aurait un petit trou quelque part que toi tu ne verrais pas, mais que Dieu verrait. Donc ces chandeliers ne seraient pas propres à Dieu. Mais pour qu'ils soient propres à Dieu, il fallait que ça soit l'Esprit du Seigneur dans l'homme. Quand l'homme tapait 1, 2, l'Esprit dit stop. Parce que si tu continues, ce ne sera plus comme l'image. Alléluia. Oh mon frère et ma soeur. C'est absolument important que nous comprenions cela, mon frère. Mais la Bible dit de vous et moi que dans 1 Corinthiens 3, 11, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Le temple du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Le temple dans l'Ancien Testament, on a utilisé des pierres. Vous vous souvenez? Dieu ne se trompe pas dans les matériaux qu'il utilise. Est-ce que vous comprenez? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, on nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Donc quand on doit construire, si tu n'as pas cette pierre-là, ton édifice à toi ne peut pas tenir.
Est-ce que vous comprenez? Bon, alors regardez très bien. Si les temples, effectivement, de Jérusalem avaient été bâtis avec des pierres déjà taillées qui devaient rentrer, effectivement, chacune à sa place, alors maintenant, si Dieu fait référence aussi à nous en parlant que nous sommes le temple du Dieu vivant, n'est-ce pas? Alors, de quelle manière, effectivement, doit être, effectivement, ce temple en question? Le Seigneur a dit à Pierre, effectivement, vous vous souvenez, quand on lui a posé la question, par rapport avec qui il était, qu'est-ce qu'on pensait de lui. Il a posé la question et aucun d'eux ne pouvait savoir répondre. Vous vous souvenez de la réponse, effectivement, que Pierre a eu à pouvoir donner au Seigneur? Il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui a dit? Bon, vous vous souvenez de ce que le Seigneur lui a dit? D'abord, je m'arrête ici. Si vous prenez dans Jean chapitre 1, verset 42, chez vous à la maison, cet homme qu'on appelle Pierre, avant, il s'appelait Cephas. C'est vrai ou pas? Le Seigneur a fait quoi? Il a changé son nom de Cephas en qui? En Pierre, n'est-ce pas? Ok. Ce jour-là, quand il a posé la question, est-ce que Jean avait répondu? Est-ce que Matthieu avait répondu? Mais qui a répondu? Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, n'est-ce pas? Pourquoi était-il heureux? Parce qu'il dit, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il a insisté sur la révélation. N'est-ce pas vrai? La révélation. Regardez une chose. Nous avons parlé effectivement du temple dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans Éphésiens chapitre Colossiens 1 verset 24, effectivement c'est cela. L'apôtre Paul parle que l'Église c'est bien le corps de Christ. Le corps de Christ c'est bien le temple de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est dans la Bible, vous lirez chez vous à la maison, parce que je dois m'arrêter. Mais vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Que vous êtes le temple de Dieu parce que vous êtes le corps de Christ. Vous suivez? Et si donc nous sommes le corps de Christ, ce qui veut dire que nous sommes l'Église de Christ. Vous suivez? Vous êtes d'accord? C'est écrit aussi dans Colossiens. Donc son corps, c'est son Église. Et quand on parle de l'Église, on parle bien de l'épouse. Vous comprenez ça? Vous suivez ou pas? Vous comprenez? Le corps, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse. Vous êtes d'accord? Maintenant, la question est celle-ci. Comment on entre dans le corps de Christ? Parce que pour être l'épouse, il faut être dans le corps. Ah oui, c'est sûr et certain, parce que ne pense pas parce que tu as cru le message que tu es devenu l'épouse. Non, messieurs. Le message te montre qui tu es et ce que tu dois faire. Le message ne fera jamais de toi l'épouse. Je l'avais dit l'autre fois. Oui, c'est vrai. Pour être l'épouse, il faut être dans le corps. Vous êtes avec moi? Pour être l'épouse, il faut être dans le corps. Dans le corps de l'IFSC? Dans le corps de Branham? Dans le corps de Paul? Dans le corps de Pierre? Dans quel corps? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Il s'agit du corps de Christ. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas du corps d'un homme ou d'un prophète, mais le corps de Christ. Alors maintenant, la question est celle-ci, mais comment moi je peux entrer dans ce corps-là? Comment moi je peux entrer dans le corps? Parce que le corps de Christ, c'est bien le corps de Dieu lui-même. Comment je peux entrer dans ce corps-là? Vous connaissez la réponse de toute façon, parce que bon, on vous l'a dit, et c'est par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Donc, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps, n'est-ce pas vrai? Donc il s'agit du corps de Christ et tous nous sommes membres de ce corps.
En fait, donc, pour que toi, tu dises que moi, je fais partie de l'épouse, il faut absolument que j'aie le baptême du Saint-Esprit. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas ce baptême du Saint-Esprit, tu peux connaître toutes les brochures, tu n'iras nulle part. Donc, on doit être amené à entrer dans le corps de Christ. Et pour y entrer, je dois entrer par son esprit. Donc, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Donc, sans le baptême... Oh, frère, nous connaissons. Mais écoutez d'abord. Sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre être l'épouse de Christ parce qu'on n'est pas dans le corps de Christ. Non, le message ne t'introduit pas dans le corps de Christ. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, il faut recevoir le Saint-Esprit. Mais toi, tu as cru le message, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez croire le message sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le corps de Christ sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez saisi? Vous pouvez croire le message sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas être dans le corps de Christ sans le Saint-Esprit. Ya, 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 ya. Oui, monsieur. Comment entrons-nous dans le corps de Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui te baptise du Saint-Esprit pour que tu sois dans le corps de Christ? Et Dieu te bénisse. Ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez combien nous avons besoin d'avoir tout le temps le Seigneur avec nous. Qu'on nous parle de ce Jésus pour que nous puissions arriver à avoir une communion avec lui. Afin d'être positionné. Regardez très bien, chaque pierre était taillée et avait toujours une place. Ce qui veut dire que toi, si tu entres dans le corps de Christ, frères et sœurs, tu vas réellement être positionné à ta place. Tu n'auras jamais de discussion avec un frère ni avec une sœur, jamais. Frères et sœurs, un homme ou une femme qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui est dans le corps de Christ, il aimera la Bible de tout son cœur, monsieur. Alléluia! Il ne discutera jamais, jamais de la Bible, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la Bible, ça fait partie de lui-même. Frère, nous vivons des choses. Ah, je suis l'épouse. Mais tu discutes ce que la Bible dit. Frère, c'est pas possible. La vérité ne combat pas la vérité. Nous sommes les enfants de la vérité et de lumière. Oui, monsieur. Appelé à quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Sanctifie-les par ta vérité. Où se trouve la vérité? Ta parole est la vérité. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous devons être certains, mon frère. C'est pour ça que celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, frère et soeur, il ne va même pas discuter de croire le message. Ah si, il va croire parce que le message lui a été destiné. Mais s'il vous plaît, mais il ne va pas croire les interprétations du message. Non! Parce que dans les interprétations, on fait dire au prophète ce qu'on veut, on fait dire effectivement. Non, nous avons besoin d'entendre. Je termine, pardonnez-moi, mais je termine par ceci, frère. Regardez, dans les livres, pasteur, pardonne-moi juste une minute. Dans les livres ici de Luc, je vais vous montrer quelque chose. Luc au chapitre 8. Aïe, que Dieu nous aide. Luc 8. Voilà. Je vais lire au verset 9, il dit, non, verset 8. Vous connaissez ça, c'est la parabole du semeur. Où le Seigneur dit, d'abord j'étais à verset 4. Une grande foule s'étant donc assemblée et des gens vinrent
venu de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez entendu? Le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Regardez quand nous prenons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, par exemple, chapitre 2 d'abord, que nous puissions voir cela, nous lisons, et puis nous allons prier ensemble. Oui. Apocalypse, chapitre 2, ici, et voilà, c'est cela, oui, le verset 1, il dit ceci. Et qui donc à l'ange de l'église d'Éphèse? Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres ainsi, ainsi, ainsi. Et puis, il explique, voilà, il dit, maintenant, verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, ce que tu détestes les œuvres de Nicolaïte, œuvre que j'ai et aussi, que je déteste aussi. Verset 7, il dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Vous avez remarqué que dans chaque âge, le message est toujours donné au messager. Ah oui, c'est ce qui est écrit. Donc le messager donne le message. N'est-ce pas? Mais maintenant, à la fin, le Seigneur nous dit ici, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que le messager dit. Non, monsieur. Non, madame. Non, monsieur. Non, madame. Je sais que ça choque, mais c'est la Bible. Il n'a pas dit que celui qui a des oreilles entende ce que le messager dit, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans Luc, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, en face quoi? Entendre. Il devait entendre qui? Lui qui était là. Le Jésus qui parlait. Mais maintenant, c'est Jésus est venu sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia! Il est au milieu de ces chandeliers d'or. C'est celui l'absolu, le lui qu'on doit écouter. Quand le prédicateur prêche, je vais entendre la voix de mon Jésus. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci encore pour cette journée que tu nous as donnée, Père. Je te remercie pour la grâce que tu m'as accordée, Père. Je te loue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et c'est vrai, dans son temps, même ceux qui étaient des croyants t'ont jeté des pierres parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce que toi tu as porté, Seigneur. C'était des sadducéens, c'était des pharisiens, c'était des hérodiens. Ils n'avaient pas cet amour dans leur cœur, c'était des croyants. Mais ils t'ont rejeté, toi. La même chose reviendra encore aujourd'hui, mon Sauveur. Parce que le monde ne t'aime pas. Dans l'âge de la Odyssée, tu es à l'extérieur. À l'intérieur, on parle de toi, mais dans le cœur, tu n'es pas. Seigneur, reviens, mon bien-aimé Père Saint. Prends ta place dans le cœur de mon frère. Prends ta place dans le cœur de ma sœur. Que tu sois aimé, Seigneur. Que tu puisses être adoré, Seigneur, à ta juste place, mon roi. Que ton peuple revienne à toi. Que ton peuple soit ramené à toi. Oh, comme Élie a dit, mon bénévole Père Tibissant, je fais ces choses selon ta parole. Alors, amène ton peuple, mon roi. Qu'il soit donc béni, Père, qu'il soit donc fortifié. Béni tes serviteurs. Je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Mon frère.